Bonjour à toutes. On revient aujourd'hui pour un petit pas à pas d'un album scrap avec un tuto de Alagaina Scrap. Je les mettrai en sous-titrage hein, parce que c'est comme l'anglais, l'espagnol, c'est pas terrible parce que je crois que c'est en espagnol. Donc pour réaliser cet album, alors du départ, je pars avec du papier craft, mais du papier craft de 300 grammes, donc c'est super épais. Donc pour ma structure, donc j'ai déjà commencé à préparer mes pages. Donc dans mes papiers craft de 300 grammes, j'ai découpé deux papiers qui mesurent 20 sur 30 et demi. Ensuite je marque de ma table pardon de pliage et je marque mes plis. Donc dans le sens de mon 30, dans le sens des 30 et demi hein. Donc là j'ai 20 cm et là j'ai laissé 30 et demi. Je marque un pli à 16 et demi, à 19 et à 29 sur mon deuxième papier qui fait toujours 20 sur 30 et demi. Je marque mes plis à 10. Donc on n'hésite pas à faire plusieurs passages hein, parce que comme je vous disais c'est un papier de 300 grammes donc limite au carton hein, c'est déjà bien épais. Donc à 10 et à 12 et demi. Déjà là le 12 et demi j'ai pas parce que si vous connaissez la marque de pliage Stamping Up, j'ai pas un pliage tous les 0,5. Donc les premières parties de 15 cm où il y a des marquages précis, c'est les formats standards de cartes, mais la deuxième partie de la marque de pliage qui est de 15 à 31, là on a des marquages tous les 0,5 cm. Donc, je vais me mettre à 15, un petit peu de maths, hein. Donc 2,5 ça me fait, j'arrive à 17,5. Donc on marque un pli à 10 et à 12,5. On peut mettre de côté sa marque de sa table de pliage pour le moment. Si vous êtes organisé, pas comme moi, vous avez votre massicot sous la main. Non, bon, bah, c'est pas grave, je vais faire sans mon massicot. Ah bah si, j'en ai un qui est pas loin. Voilà, j'ai celui-là. Donc, on marque ses plis. Donc on a donc deux morceaux. Donc on va prendre la partie où on a une zone de pliage qui fait à peu près 1,5. Première page qu'on a pliée. Donc je vais venir mettre de la colle avec des doubles faces. Sur cette partie, bien faire adhérer le double face. Et ensuite je prends mon deuxième morceau et je prends le côté où il y a un plus petit bord. Hein, c'est le deuxième morceau, on a plié à 10, plié à 12,5, donc le petit bord, et je viens l'appliquer sur cette zone de pliage. Et on obtient donc ceci. Okay. Donc ça, on le laisse de côté pour le moment. Ensuite, on va faire nos pages. Donc toujours avec notre craft de 300 grammes,
On va couper 4 pages. Toujours de 20,5 sur 30,5. Allez, c'est parti, donc à 20. Ensuite, on reprend notre page de pliage. Et on va plier nos 4 pages. Donc, toujours dans le sens du 30,5, on va faire un pli à 1 cm. Un pli à 1 cm et un pli à 20 cm. Et donc ceci sont nos 4 pages. Donc un pli à 1 cm. Comme il est super épais, c'est vraiment dur de marquer les plis. Et ceci sont les 4. Donc voilà, on obtient nos 4 papiers. Et maintenant, on va pouvoir marquer les plis. Donc voilà, on a nos 4 pages avec le petit bord d'un centimètre et le repli ainsi. Donc on va préparer la colle hein, sur tous nos papiers. On reprend son album. Donc on reprend son album. Et donc c'est dans cette zone là
on va venir positionner ces pages. Maintenant, on va reprendre tous nos chutes de notre craft qui est resté après avoir fait nos pages et nos couvertures. On va refaire quelques découpes. Donc nos papiers font bien 10,5 dans ce sens-là. Et ensuite, on va les couper à... On va en prendre deux. On va en prendre deux. Et on va les couper à 15,2 cm, soit 6 inches. On obtient 4 papiers de 10,5 sur 15. Ensuite, je prends un papier que je vais couper à 19 cm. Et donc, il m'en reste 3 que je vais couper à 20 cm. Ma table de marquage. Donc je reprends mes 4 papiers qui font 10,5 sur 15,2. Et là je vais faire un pli à 1 cm du bord gauche sur mes 4 papiers.
mon papier qui fait 10,5 sur 19, et celui-là je vais faire 1 cm. Ensuite je prends mes papiers de 18 sur 20. Voilà, toute une longueur, toujours 1 cm. Un deuxième comme ça. Et enfin mon troisième, je vais faire 1 cm au bord gauche, 1 cm au bord droit et enfin 1 cm sur toute une longueur. 1 cm, 1 cm, 1 cm. Donc tous nos petits papiers qu'on a découpés, on va les préparer. Donc on va marquer les bords. Tac, ici les pochettes. Donc sur les pochettes, on va venir les angles.
Donc voilà, on se retrouve pour la suite de notre album. Donc on arrive à ceci. Donc, vu dessus, ça donne ça. Donc la page de couverture, où ici moi j'ai fait une petite annotation parce que c'est ici où on va mettre la zone de collage pour le ruban de fermeture. Quand on l'ouvre, donc on a une première pochette ici. Avec magnifique double face de chez Action qui ne tient pas. Donc, je crois que je vais remettre un peu de colle sur ce morceau. J'ouvre le deuxième volet et on a une deuxième pochette ici. Ensuite, donc on a une petite double page ici. Donc on va venir mettre un aimant là et là. La page qui s'ouvre avec le rabat. Ensuite, c'est toujours le même système qui se répète. Le petit rabat qu'on va fermer avec un aimant. Hop, la page qui s'ouvre avec le rabat. Encore notre petite page, mais cette fois-ci positionnée en bas du côté gauche avec la page rabat. La petite page, le rabat, et là on arrive en centrale. Avec. Donc là, c'est de ma faute. Hein. C'est de ma faute. Hein. C'est pour ça que je vous ai mis en sous-titrage de ne pas plier. Mais bon, ça ne va plus se lever comme ça une fois que j'aurai mis mes décos. Enfin, mon papier de déco avant et arrière, ça va s'unifier. Et on arrive sur la fin avec un système de petites fenêtres. Hein, on va appeler ça comme ça, de petits volets qui s'ouvrent sur la dernière page. Donc. Hop, en fait, on intercale hein, tout simplement les pages de chaque côté. Voilà, donc on est arrivé ici. Donc je vous disais qu'on va venir mettre nos aimants. Donc j'utilise mes aimants qui viennent de chez AliExpress. Hop, et donc toutes mes petites fenêtres vont être fermées par un aimant. Donc pour ce faire, hop, je positionne mon aimant, on va essayer de le centrer un petit peu. Je suis en train de me dire que j'ai pas pris bon, j'en ai qui sont un peu plus fins. Je vais pas mettre celui-là. Donc pour vous donner une idée des aimants que je possède. Je me dis que celui-là, il va peut-être être fort visible. Donc, j'ai deux sortes d'aimants. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez l'épaisseur. J'en ai qui sont un chouïa. Voilà, j'en ai des très gros et des très fins, enfin des très fins, des plus fins. Donc je vais utiliser les plus fins pour que ça soit un peu plus invisible. En fait. Et voilà, ils tiennent bien. Donc je vais prendre les plus fins. Donc on recommence la manœuvre. Donc, hop, je positionne mon aimant. Comme ça je sais. Hein, je vous jette, je l'ai déjà montré dans une vidéo. Quand on ne sait plus trop quoi. Donc là j'ai posé mon aimant. J'ai pas réfléchi à la façon, mais donc pour savoir l'autre dans quel sens il va se mettre, on fait ici comme ceci. Ensuite je vais mettre une petite trace en feutre. Comme ça je viens refermer et appuyer. Ça m'a fait une toute petite tâche, mais comme ça je vois. Ou positionner dans l'autre sens mon aimant. Donc je prépare juste au double face et je ne décolle pas, je décollerai quand je mettrai mes papiers. Hop, on va faire ça. Donc vous voyez déjà, même si j'ai encore
Voilà. Je vais peut-être dézoomer pour que vous voyez mieux. Grâce à l'aimant. Bonne tenue. Donc on va faire comme ça ben, sur toutes mes petites pages. Les petites pages que j'ai rajoutées. Celle-ci, on va faire un autre système. J'irai bien pour la fermeture, on verra ensuite. Je ne sais pas si je ferai le même qu'elle ou si je changerai. Mais donc, on retrouvera toutes nos pages. Ah, et ici, qui ne tient pas, donc il va falloir que je le vois. J'arrive à tout décoller. Vraiment pas terrible en double face. Je verrai bien au moment de la déco. Si vraiment elle tient pas, je mettrai un morceau de colle. Donc voilà. Voilà ce qu'on en est. Ensuite, on repart avec un petit système encore de pochette. Donc, hein, je le redis, je l'ai mis au bord de la fourche, ce tuto n'est pas de moi. Donc, je n'invente rien, je refais exactement ce qu'elle a fait. C'est juste au niveau de la déco que je ne vais pas refaire le même principe. Donc, toujours avec notre papier craft, j'ai découpé 4 papiers qui font 7,5 sur 23. Donc, on reprend notre table de marquage. Donc, on fait un pli à 1 cm, un deuxième pli à 22 et ensuite un à 11,5. Bon, bah, donc j'ai pas le 11,5. Donc je vais me mettre à 10 et je vais aller à 21,5. Et ensuite, donc 1 cm, 11,5, 22. Et ensuite, sur un des bords, sur toute la longueur, on refait un pli à 1 cm. Voilà. Donc, voilà ce qu'on obtient. Donc, avant de tous les plier, je vais vérifier que mes mesures soient bonnes. Le souci qu'on a eu avec la petite pochette, on a fait une petite modification. Donc en fait c'est l'idée que ces pochettes viennent s'insérer dans le petit rabat de nos pages. On va les découper. Ouais, ça m'a l'air d'être bon. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégager les angles comme toutes les pochettes qu'on peut faire. On va dégager également le papier de la pliure centrale. Voilà. On va perforer, donc utiliser la même perfo que celle utilisée mes grandes pochettes. Là, c'est bon. Voilà.
pas eu une brillante idée de me mettre sur ma planche de rainurage pour couper tous les petits réfifis qui se sont coincés dedans. Voilà, et maintenant on va mettre de la colle sur les rabats, mais en les pliant vers l'intérieur. On va venir glisser le papier dedans. Donc on les plie, enfin on les laisse comme ça, hein, pas... Et on va coller. Et vu que ça colle pas, je vais essayer que celle-là colle. Voilà, j'ai une meilleure adhérence. On prend nos pages, nos plus grandes, et on va venir insérer nos pochettes. Comme ceci. Pour le coup, que la souris, ça a l'air de mieux coller. Hein. À voir dans le temps. Et voilà. Donc, on obtient la petite page. Là, on aura un système de pochettes. Donc, on fait de même avec les trois autres papiers qui nous restent. Donc, allez, je profite. La dernière. Et voilà.
Voilà où on en est. Donc je vous dis, il faut que je vois pour ma fermeture. Est-ce que je vais faire un système de ruban avec un morceau là, un morceau là, c'est ce qu'elle avait opté. Ou est-ce que je vais faire un système d'aimant. Hein, il suffirait que je mette un aimant là et le deuxième là et ça viendrait se refermer. Comme il risque d'avoir un peu d'épaisseur et de poids, je ne sais pas, je ne sais pas encore, je vais voir. Donc on ouvre, donc je vous dis, on aura une pochette ici, une pochette de l'autre côté avec cette colle qui tient pas. Hein. Donc le petit, la petite page avec les aimants, on ouvre. Donc maintenant on a une pochette avec les deux côtés sur nos pages à rabat. Et le même système, 4 fois au total, hop, et le rabat. Hop, page. Tac, tac. Rabat. Les rabats. Et il nous reste la partie centrale avec le petit volet qui se. Donc je dis là, ça sera recouvert. Donc je sais pas. Je sais pas, j'ai. Comme je vous dis, je voulais faire un style un peu vintage. J'ai pris des petites décos, embellissements métal. Donc je ne sais pas encore comment je vais utiliser, comment je vais fermer. Je pense que je vais utiliser ce genre de choses pour l'album. Donc c'est tout pour le moment. Franchement, j'ai rien fait, j'ai rien inventé, j'ai reproduit le tuto. On va dire que c'est une vidéo pour tester le vidéo de cette. On va dire que c'est une vidéo où je reproduis avec vous le tuto d'une scrapeuse, comme ça je le teste. Donc par exemple, là, il y a des petits détails que j'ai vus qu'il fallait que je modifie. Et par contre, ça sera la déco, ça sera ma personnalisation. Elle l'a fait avec des papiers de chez Graphique 45. Donc j'en possède pas, puis c'est pas un style que j'affectionne, pas trop de papier. Donc je vais peut-être modifier certains systèmes de reliure, je ne sais pas. Mais c'est tout pour le moment. Donc là, j'ai rien inventé, j'ai juste reproduit le tuto de cette scrapeuse. Donc, à cette étape, ce qu'il nous reste à faire, je pense qu'elle ne le donne pas. Bah, une fois qu'on a fait tout ça, ce qu'il nous reste à faire, c'est déjà éventuellement préparer nos papiers, sélectionner ce qu'on va faire et mesurer. Hein? Donc ben voilà, hein, là c'était un peu le jeu de patience, on prend sa petite règle et on va mesurer que notre papier de couverture il fait autant sur autant. Nos arêtes, à moins qu'on veut faire en deux morceaux, ben on mesure, hein, la petite pochette, elle va mesurer autant. Le papier qu'on va venir y glisser. Parce que vous aurez pu me dire, oui, j'aurais pu recouvrir le papier et faire la pochette après. J'ai fait comme elle. Et en fait, je me trouve qu'elle a tout à fait raison. Ça ne sert à rien d'aller gaspiller du papier qui ne va pas être visible. Non. Enfin, moi, je ne trouve pas. Donc voilà, mesurer nos petites pages, combien elles vont faire. Nos petites pochettes. Après, bah, rien ne vous empêche de venir rajouter encore selon le nombre de photos que vous voulez. Hein. On peut très bien refaire, donc c'est pas la forme de papier qu'il faut exactement. Hein, refaire des systèmes. Des systèmes de pochettes, là je peux très bien refaire une pochette qui s'ouvre dans le sens là. À cette étape, tout est encore possible. On peut venir rajouter encore plein de choses. Le dos de l'album il est assez épais. Quand on regarde par la tranche du dessus, on a quand même des bons espaces. Hein. Donc on peut se permettre encore de rajouter des systèmes, des mécanismes. Parce que là, déjà niveau photo, bon, c'est pas mal, hein, c'est déjà une belle contenance. Hein. Selon ce qu'on met là, 2, 3. 4, si on met dans des formats portraits, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bon, on arrive déjà facilement en laissant des formats standards et sans en essayant de rajouter, on est déjà au moins à 30 photos. Hein. Ça dépend si vous mettez beaucoup de photos, si vous faites des grandes zones de déco, mais là on est déjà à 30 photos facile. Donc voilà, donc on arrête là pour le moment, je reviendrai après, je vais regarder un petit peu, préparer mon petit panier embellissement en papier, ce que je vais mettre dedans, mon système de fermeture définitif, hein, de couverture, est-ce que je fais un aimant, est-ce que je fais
un ruban. Est-ce que je mets un fermoir? Parce que j'ai peut-être aussi dans mes boîtes à trésors des systèmes de d'aimants. Vous voyez, par contre, j'ai ce genre de truc. Mais je pense que même si mon craft il fait 300 grammes, c'est un peu léger. Vous voyez, voilà, j'ai ce genre de fermoir que j'ai dans ma malle à trésor depuis un moment. Alors que je comprenne. Ah oui, voilà. Ça se met comme ça et on ferme. Donc voilà, par exemple. Hein. Hop. Selon vraiment le style que je vais vouloir donner à cet album. Pourquoi pas? Hop. Mais je trouve que ça fait lourd quand même, hein, parce que bon, on n'est pas dans le carton. J'opterais peut-être plus quand même sur ce système avec un album en carton. Après, bon, bah, les coins, hein, je pense que je vais devoir mettre des petits coins. Est-ce que je rajoute dans mes espaces encore libres avant de recouvrir un petit œillet et puis venir. Je vais y arriver. Rajouter des petites breloques. Des petites breloques pendantes sur le côté. Je pense qu'il va avoir du bois. Hein. Enfin voilà, je vais sortir un peu toutes mes décos. Regardez ce que je vais utiliser. Je prépare tout ça. Et on revient pour la suite. Voilà, à vous de jouer !